Professeur Johnson, je dis à venir parler avec vous de. Je m'a toujours parlé avec vous de système American Education System. Je vais parler avec vous aujourd'hui de licence approve accreditation. Qui différence qui gagne entre trois bagages? Je vais ou mesdames haïtiennes. Alors, monsieur Johnson, je vais vous demander est-ce que l'école est accréditée? Et pour dire, qui a l'accréditation à parler? Et puis, plaque la colle. Réalité, c'est que c'est tendé dans le bouche du monde. Il faut qu'on l'école nursing accrédité. Et puis, pour le cabine là-dedans. Mais elle n'est pas vraiment connaît le concept. Et donc, ce n'est pas fou tout. Moi, j'ai mon président de l'université ou un dean of nursing qui montait online pour l'expliquer ça. So, et beaucoup de gens qui en anglais, et beaucoup de gens qui viennent faire en créole. Of course, pas grand pile dans nous posséder l'école qui est président de l'université aux États-Unis. So, c'est normal. Et of course, même les gens, nous, ils sont tous trop contents pour l'école dans le couillot. Je suis ramassé. Oh. Il va venir dans le Johnson faire, si je vais en Haïti à ridiculiser ou. Moi-même, I love when you ridiculize. I love when you underestimate parce que I choose. Moi, je choisis funny pour m'expliquer aux bagages qui a affecté nous, qui a pété fiel nous Chili, qui a pété fiel nous Brésil, qui a pété fiel nous aux États-Unis, sans nous pas connaître. Donc, je dis à me décider de venir pour me parler avec vous de licence, approve and accreditation. Son sujet est long, mais ma prochaine qu'à résumer le pour. Pour gagner l'école, ici aux États-Unis, l'école doit être licenciée. Et l'école doit être licenciée par your state. Tenez bien, par state département éducation. Parce qu'aux États-Unis, il y a deux types de département éducation. Il y a state, ça veut dire l'état autorisé au département éducation. Il y a 50 états. Et il y a 50 départements d'éducation. Mais il y a un département d'éducation au niveau fédéral qui baille guideline, direction qui j'en pour l'école doit gérer. Mais c'est ce là qui choisit qui j'en pour baille licence. So, ça veut dire, pour faire l'école, on doit gagner licence ou par éducation, département, dans ce state. Now, même tout font petit tangent pour nous, c'est une raison pour New York, par exemple, l'école nursing. Parce que le département d'éducation de New York est extrêmement difficile pour le bail, mon licence pour ouvrir l'école nursing avec votre nursing. Anyway, tout le détail. So, vous avez besoin pour gagner licence. Ça veut dire, le document ça, c'est lui qui permet de prêter diplôme. Ok? C'est le document ça qui permet de prêter diplôme. Le département d'éducation, c'est ça que vous avez gradué. You do by the power invested in me by the state of Florida, I hereby declare you are graduate of class. Yeah! So, c'est state là qui ba ou autorisation pour bay diplôme. Gagne un deuxième maillon dans question l'école qui pas obligatoire mais qui nécessaire. C'est si vous offrez programme dans l'école ou côté moun nan obligé gagner une licence pour pratiquer. Par exemple, si vous gagnez un programme nursing dans l'école ou et ben l'offin bay moun nan un diplôme et ben département santé publique mettez une section dans département santé publique qui relé board of nursing. C'est moun sa yo qui régule moun qui veut offrir éducation pour entraîner infirmière. Ou bien s'ouvrir éduquer docteur et ben you have the medical board dans département d'éducation. S'ouvrir éduquer EMT paramedic et mon gagnant the bureau of EMS et ben s'ouvrir offrir training après une licence dans département. S'ouvrir offrir training et pour moun sa yo bon licence dans le domaine santé ou bien dans le domaine technique, il faut avoir un board qui régularise ça pour jouer une licence, pour jouer un approval. Approval dans le même monde.
So, par exemple, à Azure College, nous licenciés par le département d'éducation en Floride, nous approuvés par Florida Board of Nursing. Well, so, ça ban nous opportunité pour nous ouvrir l'école nursing à Azure College. Now, licence nous permet de faire un diplôme. Approuval là permet de soumettre non étudiants dans le Board of Nursing pour l'apprendre licencié. Extrêmement important pour comprendre. Département d'éducation pas bon licence. Département d'éducation bon diplôme. C'est approuval Board of Nursing qui permet que ou bail étudiant l'opportunité pour la gagner licence. Now, troisième mot, c'est accréditation. Je sais qui cette accréditation permet de faire. Est-ce qu'il y a une école qui n'est pas accréditée capable d'offrir un programme nursing? Nous valons le Board of Nursing qui permet que vous bâillez un étudiant l'opportunité pour la gagner une licence. Now, troisième mot, c'est accréditation. Je sais qui cette accréditation permet de faire. Est-ce qu'il y a une école qui n'est pas accréditée capable d'offrir un programme nursing? Question, réponse, c'est oui. L'école qui a une licence, ça veut dire qu'il y a un diplôme, non? Et l'école qui a une licence et approuval, ça veut dire qu'il permet ou alter la licence, non? Il est capable de pas accréditer et puis ou en forme. Parce que pour vivre qu'il y a un diplôme, non? Et pour qu'elle chute à un examen ou bien licence ou et puis elle travaille ou pas besoin l'école là accrédité. En plus de ça, accréditation c'est un process qui est complètement volontaire. Accréditation c'est un process l'état fédéral by l'état state la autorisation pour le bail licence. State là by ministère de santé publique autorisation pour bon licence. Accréditation pas quand un bout. Bon nous qui ça accréditation fait pour parce que m'a venu avec petit segment ça pour m'expliquer qui ça accréditation. Accréditation permet que ou transférer éducation là dans l'autre université. Ça veut dire en nous vous fini dans Azure collège et pour besoin aller dans FIU. Ou besoin aller dans Barry Université, ou bien besoin aller dans Yale University, avec éducation là, et bien, si l'école ou a ces deux salariés seulement gagné, ou pas qu'à transférer éducation qui est pour la société de l'école, ou bien de gagné dans l'école, faut qu'on capable de gagner un troisième jet de regard qui est l'accréditation, qui sont un process complètement volontaire, qui permet de transférer l'éducation. Un premier bagage que l'éducation permet de faire. Deuxième bagage accréditation permet de faire, il permet de joindre financial aid qui c'est aide de l'État ou bien l'autre monde bail parce que l'État fédéral qui bail l'argent, il exige que l'école ou a recevoir accréditation dans une organisation privée que eux même approuvé pour être capable de bailler l'école ça opportunité pour offrir l'argent à l'État. Ce n'est pas toute l'école qui choisit de participer dans la financial aid parce que l'argent financial aid pour l'école, c'est l'argent chango. So, vous quittez là. Mais troisième bagage qui est vraiment important pour l'école, vous permet que vous gagnez dans EDU derrière le website. Quel que soit l'école qui vient pour vous, qui vient dans l'école, et puis le website n'est pas .org, .com, .whatever fini. Et bien, il parle de l'école qui est accréditée aux États-Unis. Parce que toute l'école qui est accréditée, c'est celle de l'organisation qui est l'éducation, qui baille domaine .edu. Il faut qu'on ait un papier d'accréditation dans le même. C'est ça qu'on a Azure.edu, ou Barry.edu, ou Harvard.edu. Ça veut dire que toute l'école, ça veut dire l'école qui est accréditée. Ma tourne, parce que c'est extrêmement important pour me parler avec vous de accréditation. Gagner sur les programmatic accreditation, institutional accreditation, gain specialized accreditation, tout nous c'est le type d'accréditation. Je vais même expliquer où, qui gens Haïti, indépendant d'Haïti, jouent un rôle spécial dans le système d'éducation américain. Ma tourne.
agent divinier yo un grand on fin donner le pour tout et puis qu'on y a la balle qu'est monsieur pas ça de universitaire même comment on parle comme ça anyway I love you.